La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie est attachée au souvenir de nos camarades tombés au-delà de la Méditerranée durant cette guerre sans nom qui ne fut reconnue telle que le 28 octobre 1999. Je vous remercie à tous. Merci à mon conseil municipal, parce que c'est nous qui avons délibéré pour accepter cette place, ce square. Et puis, merci au conseil d'avoir préparé ce petit vin d'honneur après les discours. Je vous remercie à tous. Je tenais aujourd'hui à saluer l'initiative de la FNACA qui consiste à demander à chaque commune, même les plus petites communes de notre département, d'inaugurer un espace public portant le nom d'un appelé du contingent disparu pendant la guerre d'Algérie. Mais je suis là surtout, mesdames, messieurs, bien pour m'associer à l'hommage qui est rendu ce matin à ce jeune appelé du contingent qui a disparu si tôt et si vite. Je m'associe au remerciement que vient de faire Nicolas Lacombe vis-à-vis de la FNACA pour cette initiative qui consiste à entretenir ce devoir de mémoire, parce que c'est vrai que cette dernière guerre qui a mis du temps, ça a été dit tout à l'heure, pour être reconnu comme guerre, c'est quand même un épisode extrêmement douloureux de notre histoire et qui est encore très présent dans les familles. Et les événements, enfin ce qu'on appelait les événements d'Algérie à l'époque, cette guerre d'Algérie, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu puisque je suis d'une famille qui était installée en Algérie depuis 4 générations. Je dis que la guerre pour les enfants, ça les prive de rêve. Ça a été mon cas, ça a dû être le vôtre lorsque votre frère est parti. Et je voulais vous dire que pour tout cela, je tenais aujourd'hui à être parmi vous pour vous apporter à la fois bien l'hommage d'une élue de la nation, mais aussi l'hommage personnel de quelqu'un qui est marqué à vie par cette guerre si douloureuse. Merci.